Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Une petite vidéo rapide concernant le concert des Bordeaux Likoufa qui se déroulera ce 20 décembre. Vous savez, je suis obligé de faire la promotion de ce concert-là. Et dans cette vidéo-là, on va parler des prix des tickets et aussi de la disponibilité ou pas de ces tickets-là. Voilà, parce que vous connaissez dans la liste des conseils, il y a trop de marmailleurs. Voilà, parce qu'actuellement, il y a un esprit de marmaille en Côte d'Ivoire ici. Donc, mieux vaut faire une vidéo pour alerter et mettre en garde tous les fans de la TIS. Voilà, c'est très important. Donc, si tu aimes la tête d'Erito, si tu aimes mon visage, si tu es fan d'Erito, tu es fan des chroniques, des réactions d'Erito, il faut déjà liker la vidéo, il faut la partager. Et puis surtout, surtout, à la fin de la vidéo, donne ton avis en commentaire. Voilà, on se prend juste après le générique. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je possède à des firmes. Voilà, bon retour les amis, comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, c'est la super forme, je vais très bien, Dieu fait grâce. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il me fait vraiment, vraiment, vraiment grâce. Oui, j'ai des abonnés fabuleux qui sont vraiment gentils, adorables. Franchement, souvent on fait les palabres, mais hein, ils aiment vraiment, vraiment Erito. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Ils se connaissent, voilà. Je fais un spécial big up à mon père, à moi, mon papa, Patrice Manon depuis l'Estate. Voilà. Je fais aussi un petit big up avant de commencer la vidéo à aussi un deuxième père, professeur Moussa Cissé du Mali, dont j'en suis le chargé de communication. Big up à vous les papas, voilà. Merci pour tout ce que vous faites pour votre fils Erito. Voilà. Je fais cette vidéo pourquoi? Je fais cette vidéo parce que, je crois hier ou avant-hier, la TIS avait fait un post sur sa page Facebook officielle. Voilà, c'est pourquoi, quand je vous disais que Debordeaux n'avait pas réagi sur les afrimas de la TIS, et puis les gens m'ont dit qu'il a réagi, je sais bien que c'est sur une page fake de la TIS qu'ils ont pu voir cette publication-là. Sinon, la page officielle, la page originale de la TIS n'a pas jugé bon de faire ça. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc, la TIS avait fait un post comme quoi les tickets ne sont pas encore disponibles. Voilà, et il a déjà vendu la mèche des prix sur les prix des tickets. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous apprêter. Moi, je suis en train de cotiser. Actuellement, je suis à 9 250 francs de cotisation pour mon ticket de 10 000. Qui sait, jusqu'à la fin, peut-être que j'aurai peut-être 20 000 pour m'acheter deux tickets. Et qui sait, si je cotise bien, je pourrais offrir des tickets à mes abonnés. Donc, restez branchés. Voilà, restez branchés. Vous soutenez Erito. Je pense que c'est ma manière à moi de faire gagner quelques tickets à certains abonnés. Voilà. Donc, voilà ce que la TIS dit. La TIS dit que ces tickets ne sont pas encore disponibles, mais le prix de ces tickets sont à 10 000 et 20 000 francs CFA. Question, avant de commencer, avant de poursuivre la vidéo, comment trouvez-vous le prix de ces tickets-là? Voilà, parce que mine de rien, on parle d'une célébration de carrière, 15 ans de carrière. On dit 15 ans de carrière sans trophée, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais au moins sans ces trophées, il a marqué sa génération et il continue de marquer sa génération. Vous savez, pour ouvrir une parenthèse, des Bordeaux, je touche du bois, je prie qu'il vieillisse avec nous. Mais logique, il partira. Vous allez voir combien de fois vous aviez des monuments, des trésors, des pèlerins que vous avez négligés, que vous avez raboués, rabaissés, boycottés, pour rien. J'ai dit bien pour rien, au nom d'un quelconque fanatisme. Cependant, pourquoi je vous dis que vous allez régler de Bordeaux? Si tu veux bien comprendre ça, fais l'effort et déplace-toi ce 20 décembre-là, du côté du Palais de la Culture. Tu vas comprendre. Déplace-toi ce 20 décembre du côté du Palais de la Culture. Tu verras. Je sais très bien qu'il y a beaucoup qui ont envie de partir au Conseil des Bordeaux. Oui, je sais qu'il y a beaucoup qui ont envie de partir au Conseil des Bordeaux, mais il y a tellement eu de polémiques, il y a tellement eu de choses qu'actuellement ils sont un peu perplexes. Mais moi j'ai foi et je reste serein parce que quand même, comme je vous dis toujours, vous vous rappelez de la phrase, des Bordeaux, c'est des Bordeaux, c'est pas un autre artiste. Des Bordeaux, il est unique en son genre, voilà. Un artiste sans trophée, dommage, mais son talent, on ne peut pas lui enlever ça. Voilà, ceux qui ont déjà participé au concert des Bordeaux savent le spectacle qu'il donne. Il chante sans autotune, mais quand il est en train de chanter, tu penses que sa voix est autotunée. Voilà, c'est un talent immense, un talent énormissime que beaucoup sont en train de négliger.
Parce que moi, le jour que Didier Arafat est parti faire à son âme, je vous dis, et puis je vous répète, je me suis assis pour écouter les morceaux de Debordo et puis les morceaux de Didier Arafat, bien que Didier Arafat a une pléiade de sons. Mais au niveau de la structuration musicale, au niveau des animations, au niveau de la manière de chanter, j'ai vu que c'était deux monstres. Pour ne pas dire c'est deux monstres, parce qu'il y a un qui est encore vivant. Deux monstres de notre musique. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à vraiment à rien de vouloir les boycotter, de vouloir les nuire. Ça ne sert à rien. Bien au contraire, il faut soutenir Debordo. Il faut soutenir tous les artistes du coupé décalé. On a besoin de ça dans notre mouvement. Voilà. Donc quand je vois certains sortir faire des vidéos pour vouloir forcément dénigrer l'artiste, pour vouloir dire forcément le mauvais nom de l'artiste, c'est triste et ça fait honte. On ne voit pas ça ailleurs. On ne voit pas ça ailleurs. Rappelez-vous, moi, au temps de Didier Arafat, j'étais le youtubeur qui disait c'est vérité à Didier Arafat. Mais quand Didier Arafat a son concert, il retouche à ça. Rappelez-vous du 29 décembre. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que il n'y a pas à faire. On a fait une émission, on ne peut plus regarder. Les vidéos sont là. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. J'ai prié, gêné, j'ai chargé le concert de Didier Arafat. Parce que d'abord, c'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est la musique africaine qui gagne. Ça ne sert à rien de vouloir se boycotter. Ça ne sert à vraiment, vraiment à rien. Donc je vous en supplie encore, par ma petite et modeste voix, mettez un peu d'eau dans votre vin et prenez la vie du bon côté. Vous êtes libre de soutenir l'artiste que vous voulez, mais moi je vous parle d'un esprit de paix, d'un esprit d'union, de réconciliation vraie. Jusqu'à quand on va continuer à se détester? Jusqu'à quand on va continuer à s'envoyer des pics? Ça ne sert à rien, bien au contraire, ça nous met en retard. Ça nous met vraiment, vraiment, vraiment en retard. Donc moi je compte sur vous, je sais qu'il y a beaucoup de Chinois qui aiment Debordo. Si vous voulez aller au conseil de Debordo, n'écoutez pas les Nkunku là. Payez votre ticket, pour ne pas dire payez votre ticket massivement et déplacez-vous. Voilà. Parce que vouloir le boycotter, vouloir qu'il tape autour. Donc récapitulons la vidéo. Le prix des tickets de Debordo Likoufa sont au prix de 20 000 francs CFA et de 10 000. En tout cas pour moi, bien que je n'ai pas d'argent, bien que je ne suis pas riche, je pense que pour une célébration de carrière, pour un anniversaire, c'est bon, c'est abordable. 10 000, 20 000. Parce que même son petit, son guerre Ariel Chiné, a fait ses tickets à 10 000 et 25 000. Et les gens ont acheté ça massivement. Voilà. Je ne suis pas en train de le comparer parce que je ne peux pas comparer un dinosaure à son petit. Non. Voilà. Debordo, c'est un dinosaure. Que vous le voulez ou pas, c'est un dinosaure. Il a prouvé. Voilà, il a prouvé. Vos seuls arguments, ce sont les trophées. Et vous avez raison. Mais si c'est musicalement, il a prouvé. Il est intemporel parmi tous les artistes coupés d'Akali. Vous ne pouvez pas discuter ça. Donc, s'il fait ses tickets de concert de 15 ans de carrière à 10 000, 20 000, moi, je pense que ça va. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas d'accord ou ceux qui sont d'accord, j'aimerais bien que vous partagez vos avis en commentaire. Voilà. Nous sommes dans un pays de droit, dans un pays démocrate. Donc, la liberté d'expression existe. Donc, j'attends vos commentaires. Et puis, juste vous rappeler aussi que les tickets ne sont pas encore disponibles. Les tickets ne sont pas encore disponibles. L'artiste même a dit dans son post que bientôt, il fera un communiqué sur sa page pour vous donner tous les points de vente où vous pourrez vous procurer massivement ces tickets. En tout cas, je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment, vraiment sur vous. Et puis, si vous avez remarqué au bas de l'écran, je fais un direct à 20h30. Aujourd'hui, un direct à 20h30. Donc, soyez branchés parce qu'il faut parler de Carmen. Actuellement, elle est victime de quelque chose. Il faut qu'on en parle. Voilà, je vais parler aussi de Fally Ipupa, des Toufan, et aussi me prononcer sur Tiesco le Sultan. Parce que j'ai vu une de ses vidéos qui m'a pas plu. Et je pense que j'ai le droit de lui envoyer un message. Voilà. Ça chauffe pas. Et ça ne chauffera jamais. Donc, chers Chinois, chers fans de Bordeaux Likoufa, chers Magnan, chers Gamé, chers mélomanes du coupé décalé, nous comptons vraiment sur vous. Voilà, parce que c'est la musique ivoirienne qui doit gagner. Bon, on dira la musique africaine, parce que moi, je suis pour la musique africaine. Voilà. Les Magnan, je vous ai déjà fait une vidéo. Je n'ai pas dit en direct. Je vous l'ai dit en direct. Vous étiez là, c'était pas en différé. Que on n'a pas droit à l'heure ce 20 décembre au Palais de la Culture. Parce qu'il se pourrait que Sidiki Diabaté a un concert ce 26 décembre. Dans le même espace. Donc la balle est dans votre camp. Vous ne pas dire la balle est dans mon camp aussi parce que je suis fan des Debordo. Voilà. Je compte vraiment, vraiment, vraiment sur vous. Et puis ne vous gênez pas de partager la vidéo au maximum. Je compte vraiment, vraiment sur vous. Donc c'était la vidéo du soir. On se prend à 20h30 pour ce direct-là. Voilà. Ne le manquez pas parce qu'on va framponner encore. Tiesco le Sultan, Carmen Sama, Fally Ipupa, Toufan.
Affirage, affirage. Voilà. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. C'était Erito. Max de likes, max de partage. Surtout vos avis en commentaire. Merci.